Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume, Maquette TV. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, une vidéo de partenariat entre Maquette TV et une société. Alors, vous avez pu voir le nom sur le titre de la vidéo. Il s'agit de la société Make Them Move. Donc, faites-les bouger. Alors, vous pouvez voir derrière moi que j'ai ouvert le site internet et je vais vous en parler un petit peu plus. Alors, cette société, qu'est-ce que c'est ? Make Them Move, c'est une société déjà française, déjà cocorico comme on dit. Donc, vraiment une très bonne initiative. Elle est située en Normandie, exactement, à côté de Caen. Donc, pour vous donner une idée, tout est fait en local. Donc, l'idée de cette société a été faite il y a 2 ans. Ensuite, bien sûr, il a fallu travailler sles investissements, sur tout ce qui va être développé autour de l'idée. Donc ça a pris un petit peu de temps et donc l'année dernière, en septembre 2020, un site internet a été créé et les produits sont disponibles. Alors, à la base, la personne qui a créé cette société était un électronicien. Il travaillait dans le monde de la téléphonie mobile, pardon. Et donc du coup, il avait aussi comme passion un peu la maquette. Et du coup, il s'est donné comme idée de rassembler le meilleur des deux mondes. Et donc, vous allez comprendre tout de suite après de quoi je parle. Alors, le projet, c'était de donner vie aux maquettes. En effet, nombre d'entre nous, quand nous construisons une maquette, ben, elle reste à sa manière la plus simple, c'est-à-dire que même si vous avez appliqué une belle peinture, un beau vieillissement, etc., c'est une maquette qui est sans vie. Et cette société a eu l'idée, et une très bonne idée d'ailleurs, de mettre en valeur nos maquettes. Donc, c'est-à-dire de donner vie à la maquette. Alors, donner vie à travers quelle manière? On peut lui ajouter, bien sûr, du mouvement, on peut lui rajouter de la lumière, on peut lui rajouter du son. Et tout ça va créer, en fin de compte, un modèle plutôt unique. Alors, dans ce domaine, la création est presque infinie, car on pourrait toucher, bien entendu, tout ce qui est domaine dans les avions, dans les tanks, dans les domaines civils, mais aussi en bateau. Tout objet de la réalité qui est retransposé en maquette peut avoir, entre guillemets, une vie plus palpitante, une vie faite de lumière et de son et de mouvement grâce à cette société qui a eu cette excellente idée. Alors, je vais essayer de vous détailler très vaguement les produits que cette société propose. Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau, c'est ce qu'ils appellent le kit statique. Donc, c'est-à-dire qu'on va rajouter un faisceau de lumière à la maquette. Donc, par exemple, prenez une voiture, vous allez pouvoir allumer les phares, allumer les clignotants, des choses comme ça. Et donc, on va avoir dans ce premier kit une fonction, on va dire un faisceau de LED avec des fibres optiques et un haut-parleur pour simuler par exemple le son d'une voiture. Alors je vous propose maintenant une petite série de vidéos que c'est que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il est vraiment possible en visuel avec ce genre d'intégration. Donc on commence tout de suite par une vidéo d'une maquette civile, à savoir une 2 chevaux. Vous aurez également dans ce kit statique une variante qui concerne les avions, donc les avions à réaction. C'est qu'on va pouvoir simuler également les feux des turbines post-combustion et donc ça va donner un sacré effet.
Donc ensuite, il y a un deuxième niveau, le kit statique plus. Alors, bien entendu, il regroupe les éléments du premier niveau et en plus, il y a une intégration de moteurs. Donc par exemple, si vous faites des avions de la Seconde Guerre mondiale, bien entendu, ces avions sont à hélices et vous allez pouvoir faire tourner ces hélices avec bien sûr les LED, le son, etc. Donc ça va donner un petit truc en plus. Alors, pour les fans de blindés, vous allez pouvoir également avoir des options très sympathiques. C'est-à-dire que votre blindé va pouvoir prendre vie. Et là, on arrive sur le troisième niveau des produits. Donc, sur ce dernier niveau, le kit dynamique, en fin de compte, il y a le mot dynamique, donc il y a le mot mouvement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire bouger vos véhicules terrestres, que ce soit un tank ou encore une Jeep ou autre chose. Donc dans ce kit, on retrouvera des intégrations de moteurs, donc avec des servos, et vous allez pouvoir, par exemple, faire bouger vos chenilles pour faire avancer un tank, reculer le tank, etc. Vous allez pouvoir également bouger la tourelle. Bref, il y a tout un tas de possibilités grâce à ce kit dynamique. Alors, bien sûr, il existe plein d'options possibles parce qu'en fin de compte, comme je vous l'ai dit au départ, ce projet entre guillemets que vous allez vous faire, vous allez pouvoir l'adapter à votre sauce. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui rajouter des LED, lui rajouter des sons, lui rajouter un moteur, etc. C'est vraiment très varié. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir, grâce au site internet que je vais vous parler un petit peu plus tard, retrouver toutes ces options pour améliorer encore plus votre modèle. Alors bien entendu, avec toutes ces LED, toutes ces moteurs, etc., il va falloir trouver une interface pour contrôler tout ça. Et dans ces cas-là, cette société propose également une application à télécharger soit sur votre téléphone, soit sur votre tablette, pour pouvoir contrôler tous les effets que vous avez intégrés dans votre maquette. Donc grâce à cette application, on va pouvoir allumer ou éteindre les feux, on va pouvoir contrôler l'appareil, etc. Dans les options, vous retrouverez également une caméra. Alors là, c'est vraiment digne de la science-fiction, mais vous allez pouvoir vous mettre à la place du chef de char de votre tank. Il suffira d'intégrer la caméra grâce au module situé dans les options, et grâce à l'application, vous allez avoir une vue panoramique de ce qui se passe à l'intérieur de votre maquette. Donc par exemple sur un diorama ou en exposition, là ça vous fait vraiment un gros point en plus comparé à d'autres maquettes étant donné que le public va se dire comment est-ce possible de voir la tourelle de votre tank? Alors, autre point aussi qui est intéressant, vous avez l'application donc qui est disponible en téléchargement, vous pouvez aller voir sur le site internet que je vous ai parlé. Le lien sera dans la description, bien entendu, et vous allez pouvoir avoir des bandes son. C'est-à-dire que on est d'accord qu'une voiture de course et un tank ne font pas le même bruit. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir intégrer les différentes sources sonores pour intégrer votre maquette. Alors, il y en a bien entendu qui sont de base, mais on pourra également modifier ces sons si il nous plaît pas. Alors, au niveau des services de la société, il vous propose deux services. Un service avant-vente qui va concerner toutes les questions qu'il est possible d'avoir lorsqu'on se lance dans un projet, c'est-à-dire est-ce que ma maquette de base va pouvoir accueillir telle ou telle option? Et si c'est le cas, est-ce que c'est faisable? Donc, c'est vraiment le béaba entre guillemets d'une société, mais il y en a qui ne proposent pas ce genre de conseils. Et donc, il y a également le service après-vente, donc c'est-à-dire que vous avez déjà acheté le kit qui vous convient, et à ce moment-là, vous allez avoir des questions sur l'intégration. Et c'est là qu'il y a un élément qui est important, c'est que grâce au site internet, il y a des fiches d'intégration, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir consulter entre guillemets la notice de montage
Vous allez à pouvoir également consulter la chaîne YouTube qui est présente avec le site internet, donc qui explique déjà différents éléments pour l'intégration de ces kits. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, vous aurez aussi la possibilité de contacter la société pour avoir directement un conseil par rapport à votre cas précis, donc que ça soit par mail, par téléphone ou encore par Skype. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le chapeau, ça. Vous allez avoir un suivi avant la vente et après la vente, et donc ça, c'est plutôt très bien. Donc au niveau tarifaire, on est sur une échelle de 50 à 82 euros, donc pour les kits entre guillemets que je vous ai cités de base. Bien entendu, vous allez pouvoir rajouter des options pour détailler encore plus votre modèle. Alors, certains parmi vous vont peut-être se dire que ce coût est élevé, mais en fin de compte, je vais vous dire pas trop. Pourquoi pas trop? Parce qu'en fin de compte, déjà, tout le monde n'est pas électronicien. Voilà, de base, personne ne va savoir faire une carte électronique pour contrôler soit des lumières, soit des moteurs, etc. Moi, personnellement, j'en suis incapable. J'ai un niveau de troisième. Donc, voilà. Là, vous avez en l'occurrence des kits qui sont déjà tout prêts. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle personne va pouvoir enficher deux fiches dans une carte. Ça, c'est à la portée de tout le monde. En plus, avec le support qu'il y a derrière, que ce soit en vidéo ou encore avec le forum, etc., que je vous ai cité, bah disons qu'on est quand même plutôt rassuré. Deuxièmement, au niveau du tarif, je vous ai dit, tout le monde n'est pas électronicien, c'est vrai. Dans quel cas, si vous connaissez déjà l'électronique, d'accord, vous allez pouvoir vous faire votre propre module, etc. Mais à ce moment-là, vous allez perdre aussi beaucoup de temps. Beaucoup de temps à chercher les références des produits que vous allez mettre à l'intérieur, vérifier leur compatibilité, pardon, et puis en fin de compte, ensuite de faire tout ça. Et ça prend du temps. Donc au final, un tarif qui est pour moi abordable, étant donné qu'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre dans les 30 euros ou 40 euros pour rajouter de la photo découpe ou encore rajouter des chenilles en métal sur un tank. Donc considérez que cet investissement est comme un ajout de pièces pour votre maquette. Personnellement, cela ne me choque pas du tout, ce genre de tarif, étant donné qu'il faut faire de la recherche, il faut avoir tout ça. Et là encore, même si vous êtes électronicien, je ne pense pas que vous allez développer une application mobile pour contrôler ce que vous avez fait. Donc c'est vraiment, pour moi, très très correct. Alors pourquoi aujourd'hui Maquette TV vous parle de Make Them Move? C'est tout simplement pour deux raisons. La première raison, c'est déjà que c'est une société française, comme je l'ai dit au départ. L'idée de départ était vraiment sympathique et en plus elle s'est réalisée. Donc avec tout ce qui s'est passé pendant cette année 2020 et 2021 malheureusement, à savoir le Covid et tout ce qui va avec. À ma manière, j'espère soutenir cette idée, cette entreprise, pour qu'elle soit connue par le plus grand nombre. Deuxièmement, l'idée est très bonne. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, que peu importe le domaine où vous souhaitez faire de la maquette. Enfin, également, on pourra dire que dans cette zone difficile qui est l'année 2020 et 2021, on peut naturellement aider ce genre d'initiative, surtout française, contrairement à d'autres projets qui sont beaucoup plus gros, les multinationales qui n'en ont que faire de leurs clients. Et à ce moment-là, c'est ma façon à moi aussi de démarquer un petit peu tout ce qui est sponsoring, partenariat des autres chaînes qui sont beaucoup plus grosses que moi. Pour terminer, je vous parle également de cette société car ils m'ont proposé, en fin de compte, de monter l'un de leurs kits sur une de mes maquettes. Et enfin, il sera possible de voir ce que propose ce genre de kit sur une maquette réelle, donc à savoir l'avion, hein, le Sukhoi. Donc on viendra en mettre en place tout ce qui est lumière, son, etc. Donc je vous détaillerai un petit peu plus. Et donc ça va donner vie à cette maquette. Maintenant, je vais vous annoncer une bonne nouvelle.
Vous avez tous vu à travers mes exemples et à travers ce que je vous ai dit, ce qu'il est possible de faire avec ce genre d'amélioration. Et vous vous dites, ça m'intéresse, j'en veux une. Ah ben justement, il faut rester jusqu'au bout. Avec Christophe, on s'est mis d'accord pour vous obtenir une réduction de moins 5% sur l'ensemble du site et l'ensemble des produits. Cette réduction sera effective à partir du mois d'avril jusque juin. Pour obtenir cette remise de 5%, il suffira de me contacter directement par mail. Alors pourquoi m'envoyer un mail à moi plutôt qu'à la société ? En effet, on pourrait intégrer un code qui serait visible sur l'écran et le donner à tout le monde. Mais cette réduction est valable uniquement pour vous qui êtes abonné à Maquette TV. Donc à ce moment-là, vous allez m'envoyer un mail sur ma boîte personnelle qui est dans la description. Je vais vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne et à ce moment-là, je vais vous donner un code promo que vous pourrez utiliser directement à travers leurs produits. Donc j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Vous retrouverez bien sûr tous les liens qui concernent cette entreprise, que ce soit leur site internet, la page YouTube et encore leur email dans la description. Alors, dernière information, j'ai choisi de soutenir et d'être partenaire de cette société qui n'est pas une multinationale et qui propose une idée quand même assez forte. De plus, comme je vous ai cité avec donc le fameux Covid qui embête tout le monde, ces entreprises qui sont petites, qui ont des petites structures, ont besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir aider aussi à votre façon. Soit l'idée vous plaît et vous pouvez commander l'un de leurs kits pour améliorer votre modèle. Soit l'idée n'est pas vraiment votre domaine et à ce moment-là, bah vous pouvez partager tout simplement cette entreprise sur vos réseaux sociaux ou à travers vos chaînes YouTube. Ça leur fera un grand coup de pouce. Donc voilà au niveau information de cette entreprise. J'espère que vous avez découvert et que cela vous plaît. Vous allez retrouver bien sûr à travers le montage du Sukhoi cette petite série qui va mettre en place toutes ces intégrations de lumière et de son. Quant à moi, on se retrouve pour d'autres montages en dehors de ce partenariat. Vous avez tous les liens dans la description qui me concernent pour me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Skelmet. Vous aurez également tous les liens pour soutenir la chaîne à travers la page Tipeee, Utip et l'adresse PayPal. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis ciao, bye bye. We'll be right back.